Mais what the fuck, les toilettes des aires d'autoroute, c'est si propre. Je suis désolée de vous infliger ça, mais c'est si propre. Je suis choquée. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party. Hey, welcome in our cabin. Donc voici notre cabine de luxe. Nous avons même un petit miroir. Voilà, pour nous maquiller, tel des stars. Voilà. Yes. Petit porte-manteau. Exactement. Et du coup, il y a ma valise. On peut rentrer à 4 là-dedans. On dirait pas. On dirait pas. Et bien sûr, la mer. Regardons. Les toilettes de luxe, bien sûr, voilà, pour chier avec la valise. Alors, on a... moi je pense que tu devrais mettre sur ton lit ou mon lit. Alors. Oh, oh, c'est grave beau. Ouais, c'est nice. Oh, regarde le parc d'attractions et tout. Plus jolie que je vous m'a dit. Oh, thank you. Oh, c'est là, je commence à m'énerver. Hein. Pourquoi? C'est déjà dingue. Je suis comme ça à payer 20 balles et j'ai 3 frites. Non mais bon, arrêtez de foutre de la gueule. Never gonna love me but it's alright. She think I'm an asshole. She think I'm a player. Je fais un clip, je fais un clip. Pas du tout. Tu fais quoi? Many people come here and say, okay, I want to see happy people. Where are they? And sometimes we smile. Believe it or not, sometimes we can even laugh. I heard some German here. So Germans as well are Lutherans, and it came from Germany, Lutheran, believe Martin Luther. But for us, we... Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party. I think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. She from Malibu, Malibu. Attitude, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I... Well, I have no idea where we are. It's kind of a market. We have Asian food, Italian food. It's like kind of messy, but really, really cute. So yeah, just let's do it and let's discover. I don't need no breaks. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. So I am very happy because today we ate a really good noodle over there, over the food market, really good one. And I am really happy because we have sun in Helsinki. Yeah. Look at this beautiful sun. Yeah, it's very sunny here. And we like this. And here we're going to visit the church, maybe. Like this. Yeah, une église, exactly. Yeah. Donc, premier débrief sur Helsinki. Déjà, on a remarqué de l'architecture. Enfin, on a appris que l'architecture, ça a été dû, bah, forcément, à l'histoire, etc. D'abord, la Finlande, c'était suédois. Ça a été repris par la Russie. Et ensuite, elle est devenue indépendante en 1917. Ouais. Donc, ce que disait Indiana, ouais, c'est que les bâtiments font très russe quand même. C'est plutôt moderne, hein, mais oui, dans le style oui, russe. Pas, la, pas le tsar, etc. Voilà. Mais même si je trouve que certaines cathédrales et tout, ça fait assez. Avec tous les trucs verts. Ouais. Je sais plus, c'est un nom en plus. Je sais pas, mais il y a beaucoup de murs verts, des choses comme ça. En revanche, bon, Helsinki,
Moi, je trouve personnellement que ça fait un petit peu tristounet, certains coins. C'est bien d'y passer une journée, voilà. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi. Il faut savoir qu'il y a 3 personnes au kilomètre carré. 3 personnes au kilomètre carré, je vous laisse imaginer. Il n'y a que 600 000 dans cette capitale, sachant qu'à Paris, vous êtes, les Parisiens, 11 millions. Franchement, il n'y a pas beaucoup de monde. Et on disait souvent, tout est propre, par contre. C'est ça, c'est calme, c'est chill. Attends, parce que là, on va pas passer. Let's do it. Okay. Mais du coup, on dit que c'est très propre, etc. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Non, mais c'est très chill. Premièrement, ils sont très respectueux. C'est ça, là, je vois pas un seul mégot par terre, pour vous dire. Non, c'est vrai, c'est un peu tout, parce que là, on ne reste qu'un jour, mais on pense qu'un jour, ça suffit. On est content de faire qu'un jour, parce qu'on ne serait pas venu une semaine. Juste, c'est à souhaiter d'avoir un jour avec un ciel bleu comme ça, où il fasse... Il y a du soleil, franchement, on a de la chance, parce que c'est pas réputé pour la Scandinavie. Donc là, on est tombé sur le bon jour, mais sinon, amenez vos gants, vos bonnets, parce qu'il peut faire vraiment très froid. Je trouve que, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est pas si... La Finlande, enfin, Helsinki, là, est pas très très cher. Comparé à la Suède, vraiment pas. Pour l'instant. J'ai pas été étonnée. Enfin, la Suède, c'est très cher. La Suède, tu trouves que c'est peu plus pour les pas pour si manger un bon repas pour 10 balles comme ça. Non, pour le reste, moi j'ai mangé tout à l'heure, mais j'ai mangé les noodles et tout ça, c'était trop bon. 10 balles tout petit. Les cafés sont pas très chers. Après, c'est l'euro. Oui, c'est l'euro. C'est l'euro qui est en même en resto. En resto, les Suèdes, il faut savoir que c'est très très cher. So, we were here. There's a lot of. Cars and everything. Oh, je suis dans la neige. Je te jure. Vas-y, t'es sur un trottoir. Comment voler en restant les pieds sur terre. C'est like le ferry, hein. 1866, putain, gros, t'es vraiment chaud. Non, mais Léo, tu dégages, t'as pas honte. Hello, this is our room tour. Our new room here. Our bed. I am in my bed, ok? Un petit retour dans le passé. Bonjour, un petit café. Crystal ball. So we're currently at Hard Rock drinking some beverages. Personally, I took some wine. Eva over there, we just have some fun. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne. Ok, les gars, je pense que vous connaissez le Hard Rock Café. Genre, quand vous avez des trucs comme ça, genre Madonna, mes frères. Rihanna. Wow. Donc là, avec Eva, on a pris un jumbo combo à Hard Rock Coffee, donc c'est trop trop cool. On a tellement de trucs, on a tous partagé. On a trop hâte, on a surtout des onion wings, on est tellement fan. Je suis trop d'accord. Regarde-moi ce plan là. All for the gram. Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Well, now we are in the Arctic Museum. There are a lot of things about Northern Lights. It's pretty interesting. And then we are gonna have lunch together, and afterwards we are gonna go to the Santa Claus village. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she want with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay, she don't wait in lines. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Now in the bell. Non. Fais gaffe, j'ai mon téléphone dans la main, s'il tombe. Ah, j'ai peur de la balle. Transition Indiana. It's like awesome, you have snow everywhere and people are awesome. So much stuff to do here. Toujours, ça prend une super transition. Tu la casses comme ça. Arrêtez. Jingle bell.
Let's go. Discover. Oh, ça fait bourger. If this only wood, we are fireplace, kitchen, bathroom, shower. So nice inside. So, let's put like a chicken or something in the... Keep it together, try to keep us hanging. Nous voilà sur une piste de luge. On en a fait avec Eva tous les deux, c'était incroyable. On s'envole. On s'envole. On s'envole. En plus, c'est gratuit. Yeah. Vous avez juste à en prendre une et let's go. Voilà. Et ça slide fort, comme on dit. Voilà. Du silence. Là, on n'entend pas la... les voitures et tout. How do I work this love? Sunlight's work the first in gold. Donc là, ce matin, on a marché à partir de 11h du matin dehors. On fait une petite randonnée, on va dire. Tant bien que mal. C'était très bien, on est très bien équipés, du coup, on a bien chaud et tout. Donc, du coup, ça fait du bien. Et du coup, ensuite, nous, toutes les deux, on s'est posé dans un petit resto. On a très bien mangé, comme vous avez vu, je pense. Petit burger, petite pizza, truc de patates douces. Donc, c'était vraiment bien. On a bien mangé. Et puis, vous savez, c'est pas genre. On a bien mangé, mais on n'a pas trop mangé. Et ça, c'est sympa. Et du coup, on s'est dit que cet après-midi, on allait nous se faire un cet après-midi cocooning. Du coup, on a bien marché, on a bien profité. Et en même temps, là, on va avoir des activités ce week-end. Donc voilà, on va se poser bien. On va peut-être aussi, après, ce soir, jouer dans la neige, je sais pas, on verra. Mais du coup, petit sauna, parce qu'on a des saunas, on n'y est pas encore allé. Tant qu'il n'y a personne dans notre cottage. Et du coup, pour ça, pour l'occasion, on s'est aussi pris des petits chocolats chauds. Ouais. Tout ce qu'il faut pour faire des vrais chocolats chauds. Et petit masque pour la peau. Parce que notre peau souffre avec les deux jours de voyage. Et voilà, on est bien quoi. C'est ces petites vacances. C'est mignon. Voilà. Go! Oh! The other side! This one! No. Yes! Wow. Guigui, fais gaffe, putain! I found a love for me. How should I word this bird? Go take it for load, letting your wings unfold, but keeping it. You have to know raclette. Raclette is a French meal. No? With cheese. Raclette. With cheese and potato. I think pasta you lose. Bon, là les gars, on est prêt à faire de la moto des neiges. Ça va le faire, je pense que ça va le faire. Et seule fois de ma vie que je ferai ça, donc c'est parti. Mais c'est qui va conduire ça?
Ok, ça part en saut des neiges. J'ai une dégaine, on dirait un pouce. J'ai jamais fait ça de ma vie, les gars, je sais pas du tout dans quoi je me lance. C'est un peu l'enfer. Well, on va voir ce que ça donne. So, c'est parti. And here we also in Finland a lot of forest, beautiful waters. We have this thing called Everyman's Right. I hope you have had a hint during these couple days. Seasons, we have big contrasts in. How should I work this bird? J'ai acheté des rips, sauf que c'est très gluant, très collant, très salissant quand tu les manges. Et du coup, je suis arrivé à la caisse, t'as vu? J'ai demandé à la nana si elle avait pas des petites serviettes, tu vois, pour manger ça tranquillou. Et du coup, elle m'a passé un paquet de mouchoirs qui est normalement payant et elle m'a fait chut. Yes, dab. Non, je dab no. Pas. Donc, on a été à un village, on va dire avant la frontière entre la Finlande et la Norvège, donc au tout nord. Le premier truc, c'était de le truc typique, prendre une gaufre, nanana. Surtout prendre des sticks de viande séchée de renne. Excellent. Je vous montrerai, moi j'en ai gardé un peu et c'est vraiment trop bon. Et ensuite, on a pris des ribs de porc. Donc en fait, c'est un peu, on va dire, un magasin local où ils ne disent pas la recette, tout ça. Ils cuisinent ça, on les a achetés et c'est une tuerie. Genre, ok, on trouve peut-être ça en France, mais là, le fait de manger ça quand il fait froid dehors, mais en même temps, c'est relaxant. Ça fait du bien d'avoir de la graisse, quoi. Genre, c'est vraiment. Bien, on en avait besoin. Et beaucoup, la viande, ça fait du bien. Mon antem gariade. With this kind of weather, we were speaking with guides like, come on, like how lucky have we been? Ok les gars, donc on est en Norvège, c'est l'océan Arctique, voilà, c'est un délire, je vous avoue que c'est ouf, je sais pas si vous voyez mais je suis alone, oh, c'est trop chelou, et c'est dingue, c'est juste dingue, ça rend pas vraiment bien en photo, c'est juste immense en fait, c'est immense, je vous pouvais pas rendre compte mais on a croisé quasiment personne sur la route, c'est ça que je me dis, il y a tellement de personnes dans cet endroit et je suis tellement privilégiée et ce que je me dis c'est que peut-être dans 20 ou 30 ans il y aura plus de neige et tout ça sera différent en fait et ça c'est dur, enfin personnellement, et je vous avoue que moi juste en fait c'est comme les aurores boréales hier, c'est, on se prend une, on se dit ouais bon c'est des paysages, non, t'arrives, tu te prends une vague de ok, on a eu le soleil qui a fait tout un rayon de soleil sur tous les paysages et ça on s'est pris une claque en fait. Une grosse claque et je pense que ça se voit à ma tête, je suis un peu bref, pas très bien, mais c'est dingue, donc je me sens trop privilégiée en fait, j'arrive pas à réaliser que je suis on top of the world et ça me fait bizarre, ça me fait vraiment bizarre, ça fait trop bizarre.
Roxanne, Roxanne. All she wanna do is. La dernière petite soirée parce que c'était le dernier jour en Laponie. Nous voilà dans le bus, prête à prendre le chemin du retour. Là, on va avoir 2 heures de libre. On va sûrement aller se manger une petite pizza avec Eva parce qu'on a faim. Of course. Faut qu'on graille un petit peu. Mais voilà, ça va être assez long le retour. Ouais, clairement. On va dire que c'est juste les derniers jours, donc on a un peu ces émotions qui retombent, tout ça. On va sûrement être fatigué. Mais manger là, ça va faire du bien. Mais c'était ouf. Quand on y pense, je pense que là, moi perso, j'ai pas encore réalisé là. Aujourd'hui, je vais pas capter, mais quand on va demain. Être le retour en Suède, ça va être. Waouh! Chez nous, dans notre petite chambre là. Ça va être dur. Ça va faire très bizarre parce que c'était ouf. Mmh. Jusqu'à hier, on a encore vu des aurores boréales hier. Dingue. Alors qu'en général, il y a des gens. Enfin, je pense qu'une personne sur deux n'en voit pas du tout de son séjour. Mmh. Nous, on en a vu deux fois, trois, quatre spots différents. Enfin, c'est ouf. Need no breaks. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Je suis Cristobal, je parle Spanish because I'm from Mexico and I will talk about my really good experience in Lapland in Spanish. Acabamos de llegar, fui el hombre más feliz del mundo porque había mucha nieve y es la primera vez, bueno, la tercera vez en mi vida que vi nieve. Entonces me revolcaba como un niño pequeño y jugué mucho con la nieve, hice un muñeco de nieve y luego lo destruí el último día, lo hice con mi jump. Y me divertí muchísimo, realmente fue una experiencia inigualable, entonces estoy muy feliz por eso. Thank you, Eva. Eva vient de découvrir un truc de malade. Vous savez que je suis fan des pizzas à l'orange, mais alors là, on a de la menthe, mesdames et messieurs. Et on dirait même pas, on dirait menthe et eucalyptus ou un délire comme ça. C'est pas trop, en vrai. Ça y est, remonte. Ouais. Mais voilà, vous pouvez voir un peu quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est typique. Je prends ça, moi, tu vois, des petits gâteaux et tout. Je suis d'accord. Il y a pas mal de trucs qui sont assez typiques. Genre le pain, comme ça, voilà. En fait, le pain, on a l'impression que leur rayon pain, c'est que des pains de mie comme ça. Roxanne, Roxanne. Need no breaks. Roxanne, Roxanne. Up 'cause I pay up. Roxanne, Roxanne.